tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Kamenes et moi-même, nous allons suivre cette rencontre pour vous. On espère bien sûr du spectacle, Pierre. Oui, on a vraiment hâte qu'il commence ce match. Allez, on y va. Pierre, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais les joueurs de cette équipe, ils font des kilomètres, ils exercent un énorme pressing sur les joueurs adverses. Ouais, Hervé, c'est comme ça qu'ils récupèrent beaucoup de ballons. Quand tu vois la compo, tu t'aperçois que tu as plusieurs joueurs qui sont nés avec trois poumons tellement ils galopent. Et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse. Alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. On aura une pensée pour les défenseurs latéraux qui vont non seulement devoir faire le métier sur les ailes, soutenir les milieux et même proposer des solutions aux attaquants. Alors il va falloir 18 poumons chacun, quoi. Pierre, vous me disiez hors antenne que ce stade il était assez facile à dessiner. Vous auriez pu faire le même, en fait. Non, moi, c'est genre, on va partir d'un principe de base. Je suis incapable de dessiner quoi que ce soit. Mais au moins, toutes les tribunes sont à la même hauteur. Et il y a un toit. C'est assez simple, on va dire. Voilà, c'est un truc. C'est simple. Voilà. Thank you. Enjoy the game. C'est parti donc. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Le ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est avantage. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Ballon donné sur l'aile. Un ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Allez, il faut centrer. Allez, l'occasion peut-être de mener. Dimitri Mitchell. Excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Ah, c'est une perte de balle. Ça peut devenir dangereux. Ah, belle qualité de passe dans cette équipe en ce moment. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Matt James. Ouais, bien joué par-dessus. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Thank you. On cherche des solutions là.
protège bien son ballon. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Continue sa progression. Avec un tir, bien repoussé par la défense. Max James. Ça va être compliqué. Le ballon qui change de camp. Ils conservent, ils font circuler, mais ils attendent la faille, bien sûr. Elle est contrée, cette frappe. Matty James. La passe est interceptée. Un petit peu d'espace devant lui. Au passe manqué qui sort en touche. Matty James. Il poursuit son action. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Un peu de soutien qui arrive. Ça, c'est très bien défendu. Ah, le bon pressing qui se traduit par la récupération du ballon. Matty James. Ouais, peut-être la passe lobée. C'est une touche bien placée. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Matty James. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Matty James. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas, ça joue très très bas. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. Alors, grosse domination en termes d'occasion de but, on l'a vu, mais au score, ce n'est pas la même chose. Oui, ce score de parité m'étonne. Franchement, l'adversaire s'en sort bien. Enfin, s'il continue à être dominé comme ça, ça va bien finir par craquer. Hein. La seconde période qui reprend à l'instant. Il essaye en louche un petit peu. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Dimitri Mitchell. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. En
Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Et encore une bonne passe. Garbutt. Porteur du ballon qui a toujours des solutions, ça joue bien. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ouais, il perd ce ballon, mauvais contrôle. Ouais, le ballon qui est perdu. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Matty James, ouais, bonne passe. Ouais, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. L'occasion de prendre l'avantage. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Ouais, là on voit des stats qui expliquent assez bien ce qui se passe. Cette équipe se crée finalement peu d'occasions et beaucoup moins qu'espéré en tout cas. Frappe. Excellente intervention du gardien. Ouverture. Allez, dégage, très loin. Dimitri Mitchell. Elle est vernie aujourd'hui, cette équipe. Elle n'en profite jusqu'au bout maintenant. On est sur l'aile. Oh, il peut centrer. Ouais, défenseur qui est passé. Le centre à destination de ses partenaires. Ah non, c'est mal négocié. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Ah ouais, superbe, il file au but. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Et quand même, ça commence à devenir dangereux. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Le corner, le ballon en pleine surface. Encore un corner. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Alors le ballon, attention. Et le premier but de la rencontre, le voici. Oh oui, on l'aura attendu, mais on l'aura eu sur la fin. Ouais, ça a été long à venir et c'est peut-être le signe d'une fin de match complètement folle, va savoir. On va voir. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement? Ah, ça y ressemble bien, Hervé. Hein. Il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération.
Un ballon qui tourne pas mal. C'est assez fluide tout ça. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. C'est fluide, ça circule bien. On voit des joueurs qui prennent du plaisir à jouer. Du coup, les supporters sont ravis, évidemment. Ouais, ouais, la qualité des passes rend le jeu extrêmement fluide, c'est agréable. Voilà, l'entraîneur le fait sortir suite à sa blessure. Le laisser sur le terrain, ce sera aggraver les choses. Garbutt. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. C'est bien défendu. Ça revient dans les pieds de l'adversaire. Un supporter qui donne de la voix. C'est vrai qu'on n'est plus très loin de la fin du match. Oui, on a l'air encore d'y croire et c'est bien. Hein. L'action qui se poursuit. C'est dans le paquet. La fausse alerte finalement. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. S'il va l'égaliser, peut-être sur cette action. Il peut le mettre. Oh non ! Oh, c'était le moment d'égaliser ! Ah, ils font tout pour se créer des occasions et ça pêche dans le dernier geste, c'est dommage. Substitution for Coventry City. Coming off the pitch, number 6, Liam Kelly. To be replaced by number 8, Jamie Allen. Avec 4 minutes de temps additionnel, Pierre. Eh ben, ils ont l'air d'y croire, les supporters. Hein. Leur équipe doit marquer 2 buts pour gagner, mais vu leur réaction, c'est comme si c'était déjà fait. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ça peut devenir dangereux. Allez, il faut centrer, c'est le moment. L'arbitre qui siffle la fin de cette partie, qui se termine donc par une victoire à l'extérieur. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait et c'est une victoire qui a été cherchée au mental.